ce terme d'ensauvagement. Ensauvagement. 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 Jusqu'ici, c'était plutôt un vocabulaire qui était dans le registre de la droite dure, voire de l'extrême droite. C'est ce que Marine Le Pen appelle très justement l'ensauvagement de la société. C'est vrai, un ensauvagement de la société. L'ensauvagement. Dans les colonnes du Figaro, Gérald Darmanin évoque une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société, dit-il. Ensauvagement d'une partie de la société. C'est assez étonnant, des députés de la majorité ont attaqué, on peut dire, le ministre sur le sujet. Il n'y a pas de sauvage en France, il n'y a que des citoyens. Nous devons nous prémunir des outrances qui deviennent des outrages. De grâce, ne reprenez pas les travers de quelques prédécesseurs qui tenaient des propos à l'emporte-pièce, propos à l'emporte-pièce. Les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Manuel Valls se crée la polémique en déclarant que les Roms installés en France dans des campements ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays. Des propos qui étaient jusqu'ici le fond de commerce du Front National. Aux mots qui attisent, qui enflamment, stigmatisent ou fracturent, nous sommes nombreux à préférer l'action du quotidien. Cette sémantique, elle nous écarte de la promesse de réconciliation que nous avons faite aux Français. Et nous devons nous prémunir des outrances qui deviennent des outrages. La mesure, le respect, le discernement, c'est ce que nous souhaitons des plus hauts représentants du ministère de l'Intérieur. Ne gâchons pas de bonnes décisions par de mauvais mots. Il n'y a pas de sauvage en France. Je n'ai pas parlé de sauvage, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et au contraire, je trouve que l'ensauvagement, c'est aussi celui des réseaux sociaux, du tribunal populaire, des gens qui sont dans la permanence de votre collègue député, avec des banderoles fascisantes. Voilà, ça, me semble-t-il, c'est aussi de l'ensauvagement. Et l'ensauvagement, on en constate tous les jours. Et les Français, je crois qu'ils voient bien le problème réel qu'ils ont en face d'eux. Et ils attendent de leurs responsables politiques de mettre des mots sur les choses et d'agir. Ma mère comprend en sauvagement. Mon boulanger comprend en sauvagement. Moi-même, je comprends en sauvagement. Une expression que tout le monde emploie et que tout le monde comprend.